Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, de retour pour un live et cette fois-ci nous allons lancer, ou plutôt je dirais même relancer, The Last of Us Partie 2, un jeu que j'ai adoré bien évidemment. Je ne peux pas le comparer avec le premier, ça ne se fait pas. Donc dire que le 1 ou le 2 est le meilleur. J'aurais du mal à donner mon avis. Bref, dans tous les cas, on va se lancer dans une nouvelle partie. On va jouer en normal. Voilà, on va se faire ça tranquillement. Mort permanente, non, aide caméra. Qu'est-ce que c'est que ça? Réoriente. Ok, et vue inversée, on s'en fout. Ok. Eh bien écoutez, let's go. Si vous n'avez jamais fait ce jeu, eh bien faites-le, si vous en avez la possibilité. Faites le 1, bien évidemment. Et une fois que vous aurez fait le 1, vous aurez envie de faire le 2. Ça, je vous le garantis. Dans tous les cas, nous sommes partis. Le 1, on l'avait fait il y a quelques temps déjà. Et j'avais attendu avant de refaire le 2. Parce que j'y ai beaucoup joué quand il est sorti. J'ai fait la platine. Et je n'y ai jamais retouché. Je l'ai laissé de côté. Non pas que j'avais pas envie d'y rejouer. Mais je me suis dit, il faut que je laisse le temps un petit peu. Et je l'apprécierai d'autant plus quand je le referai. I was supposed to take her to the Fireflies and walk away. You go halfway across the country with someone. She needed her immunity to mean something. Maybe I was starting to buy into that old cure business. Maybe I just wanted to do right by her. And then we made it. We found the Firefly. Because of her, they were actually going to make a cure. The only catch. They would kill her. What are you doing? I won't let you take her. This is our future. Think of all the lives we'll save. Jesus Christ, Joel. What do you do? I saved her. That's a lot. What does Ellie know? I told her they just ran some tests. I told her her immunity meant nothing. She believed you. I didn't say otherwise.
We should head back. Je me souvenais plus trop de cette petite discussion. Mais ça fait plaisir. Et je le rappelle, c'est un jeu PS4 qui n'a pas encore sa version PS5. Et je suis désolé. Peut-être un avis controversé, mais ce jeu fout, pardonnez-moi l'expression, une branlée à certains jeux PS5. Je suis désolé de le dire, après tout ce n'est que mon avis. Mais ce jeu reste magnifique, voilà. Voilà tout. Donc, on a eu un petit recap de ce qui s'est passé à la fin du premier. Avec bien évidemment Joël, que nous incarnons. Je me souviens de ce passage-là, quand on arrive ici. Et donc, Ellie, qui nous a accompagnés lors du premier. Qui est donc immunisée. Et on était censé la ramener à un hôpital aux lucioles pour qu'il puisse faire un vaccin et du coup sauver l'humanité tout simplement, en tout cas apporter une solution. Mais voilà, Joël on a décidé autrement. De toute façon, c'est une question que on peut se poser. Entre sauver une personne et sauver l'humanité, enfin une personne que qu'on aime plus que tout et sauver l'humanité, comment on aurait réagi? Alors bien évidemment, je souhaite à personne d'avoir ce dilemme. Mais ouais, ça doit quand même nous triturer l'esprit. Voilà, voilà, bon bref. On va se mettre un petit peu dans le jeu. Et bordel, mais je suis désolé. Moi en fait, je me souviens quand j'avais lancé le jeu. On l'avait lancé en live à l'époque. Quand il était sorti. Et je suis désolé, mais là c'est que le début et moi... voilà, je rappelle, hein, c'est un jeu qui est sorti à la fin de la PS4. Alors oui, il y a des trucs, pas dire qui ont mal vieilli, mais on trouvera toujours des défauts. Mais moi personnellement, il me met de nouveau une claque. Il m'avait foutu une claque bien évidemment à l'époque, hein, évidemment. Et là, c'est le revers en fait, le revers de la claque que je me reprends en pleine face. Mais bon après... ça reste Naughty Dog. Naughty Dog bien évidemment fait partie de mes... ah, ce serait peut-être même mon studio préféré. Les Uncharted, Last of Us et d'autres jeux, mais moi je retiens principalement Last of Us et Uncharted. Enfin voilà, bref. Alors, je vais essayer de pas trop dire de bêtises. Parce que je me souviens... Il y a des choses que j'ai un peu oubliées quand même. Hein. Je vais pas vous le cacher. Et c'est aussi pour ça que je voulais le refaire. Enfin, attendre avant de le refaire. C'est pour l'oublier un petit peu. Et me reprendre un deuxième jet en pleine face. En le refaisant. Voilà. Après ce long monologue...
voici arrivé. Et ce très cher Gustavo Santaolalla. It's okay, I got him. You go on. You sure? Qui a composé la bande son du jeu, comme pour le premier, du coup. About what we were talking about earlier. Can't say I'd have done different. I'll take it to the grave if I have to. Merci bien. Et ce très cher Neil Druckmann, bien sûr. Jesus, this gave me a heart attack. I tried knocking, but. Hey. What's up, Joel? Just checking in. Folks are, you know, talking about how impressed they are with you and how well you're helping out. It's good. Tommy and I went out riding the other day, and he, he told me a joke, and I thought about you. It's, oh, shoot, no, I forgot it. Something about a clock. How do you... Joel, it's pretty late, and I gotta get up in a few hours. Yeah, I know. I'm gonna get out of your hair, just, I want to show you something. Just give me one second. What's this? Some folks call this thing here a guitar. Funny. You want to hear something? Okay. Promise me that you won't laugh. I won't laugh. I won't. I'm trusting you. Que j'ai fait. Pourquoi il est en tout vert? Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai activé un truc, non? Affichage? Attendez, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est comme ça? Sur quoi? Ah! C'est bon.
listen. Everything I have found here, I'm not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this pain the lean. All my stolen missing parts, I've no need for any more. And I believe I can see our future days, days of you and me. Suck. I'll take what I can get. She's yours. No. I don't know the first thing I about this. I promised that I'd teach you how to play. You did. What do you say, tomorrow night, first lesson? Deal. Okay. Do you remember the joke? What is the downside to eating a clock? It's time consuming. That's so dumb. Yeah. Good night, kiddo. Les fameuses blagues d'Eli. Et cette petite guitare. Et donc nous voici avec The Last of Us partie 2. Sorry, I totally overslept. Just give me a minute and I'll get dressed. I heard you had quite a night after I left. She kissed me. It was just Dina being Dina. She didn't mean anything by it. I was talking about your fight with Seth. Wait, you kissed Dina? Oh. I thought this... We're broken up 1 week and you make a move on my girl? No. She was probably just trying to make you jealous. I would never... Oh, fuck, this is so great. I'm messing with you, man. I don't care. Get dressed. You're the worst. It's kind of fucked up you did that. Get your stuff together, we're already late. Allez, nous y voici. Smells fine. Oh! Petit lapin. Alors je sais plus, je crois que j'avais regardé un petit peu. De toute façon, on va prendre notre temps. De toute façon, Last of Us, c'est un jeu qui se consomme petit à petit. C'est un jeu où il y a beaucoup de petits détails à droite à gauche. Si on y prête attention. Et donc voilà.
Nous voici avec Ellie, donc comme vous avez pu le constater, 4 ans plus tard. Elle a bien grandi. C'est maintenant, on va dire, une jeune adulte. Même si elle était déjà bien mature pour son âge. Bah, elle a continué de gagner en maturité. Voyez-vous. Le petit robot. Voilà. Certains comprendront. Et bien évidemment, tout ce qui va toucher à l'espace, on en reparlera pareil en temps voulu. Hey, is Joel up? Sucks. Shut up. I was just about to get up. I was. You got everything? Yes. Je suis prêt. Alors, il va falloir que je remette un petit peu au gameplay. Bon, ça va vite revenir. Ça va vite revenir. Et on commence. Alors, je crois, si je dis pas de bêtises, comme sur Red Dead 2, dans la neige. J'aime beaucoup ces environnements, ça fait très joli. Pour commencer. Pour commencer avec Ellie, hein, parce qu'on a bien joué un petit peu avec eux. Avec ce très cher Joël. Petite plantation. Petit marron, je dirais. Ici, on a sûrement des tomates. Là, j'arrive pas à voir ce que c'est. On s'en fout, non? C'est pas grave, on a dit qu'on prenait notre temps. Bonjour, les gars. Ah, monsieur et madame, pardon. Je crois qu'il y a des trucs à récupérer dans le jeu, mais je m'en souviens plus. On peut pas y aller. Je me souviens plus ce que c'est. On verra bien au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous faites pousser d'autres comme légumes? Where is she? The diner. Is this about Seth? No clue. Just tell her you never saw me. Nope. Where's your fucking loyalty? Excuse me. Hey Jesse. Hey. Hey. Salut tout le monde. Ouais, bon, allez. Je crois qu'on va aller au bar. Est-ce que je me trompe? Ah, il y a un petit clin d'œil aussi. Je crois que c'est dans cette rue. Je crois que c'est à ce moment-là. You and me? Yeah, of course. Dina and I are done. I know. It's just, I don't want you to think. Ellie, we're cool. Promise. Ouais. Thanks. Juste ici. Hey, old timer. Yeah, get a good scratch. Le petit joueur de banjo. Là, ça s'amuse de ce côté-ci. Ça s'amuse dans la neige. Bien, bien, bien. Il est content. Regardez-le. Est-ce que c'est pas un visage heureux, ça? Allez, on trace. Est-ce qu'on va mettre une petite pièce dans son étui à banjo? Ah, il était derrière moi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, c'est de la fourrure. Je n'avais point vu.
toi qui as dit bonjour? Tu me dis bonjour ou pas? Non, pas spécialement envie de me dire bonjour. C'est pas grave, je t'en veux pas. Oh! Comme ça, je me souvenais plus qu'on récupérait des trucs ici. Free parts. Donc voilà, des pièces de. Pourquoi ils appellent ça des pièces de récupération? Mais bref, ça sera pour nous améliorer notre équipement. Allez, go! Wanna grab some breakfast? No. Ouais, c'est ça. On va au bar. Je me souviens plus qui c'est Maria. Ellie. There you are. Come here. Ah oui. Seth's got something he wants to say to you. I don't want to hear what that bigot has to say. Do it for me. Please. Fine. Seth. Seth, come here. Hey. Look, last night I was drinking too much. Sure. I'm trying to say I'm sorry. Maria tells me that you and Dean are headed out. I made you some sandwiches. Okay. Or steak. Thank you, Seth. Yeah, well, you be safe out there. Yep. I appreciate that. What you got there? Bigot sandwiches. Mmm. Smells good. They're yours. You sure? It's fine. Let me walk you out. Okay. C'est cadeau. Alors, si je me souviens bien, c'est ici qu'il y a un premier truc à récupérer. Qu'est-ce que c'est? Ah non. Ah oui, si, c'est les cartes de jeu là. Ah ouais, c'est, je me souviens. Je crois que c'est des trucs à récupérer. Mais bon, quand j'avais fait le la platine, je m'étais buté à tout récupérer. Je crois qu'il y a un autre à faire après ici. Plutôt sympa hein, l'ambiance de ce bar. Bon, j'ai l'impression que tout le monde me dévisage là, non? C'est une impression? Moi, je ne sais pas. Allez, dehors. Je me souviens où on va aller. Je me souviens ce qu'on va faire. If you go up to the Northwest Lookout, they're scheduled to arrive later today. But watch yourself. There's too many sightings of infected recently. Of course. Ouais, I was going to check out the creek trails. I'll need someone else to cover it. Ellie, you know the creek trails? Not really. Oh. Dean has done it a bunch. I'll have the two of them take it. Well, that solves that. Putain, des trucs à récupérer partout. Putain, je me souviens pas qu'il y avait des trucs comme ça à récupérer au début du jeu. Tant mieux. Hein. Tant mieux. Mais oui, voilà, il y a eu une infection du fameux cordyceps, un champignon, qui prend possession de son hôte et qui le rend un petit peu, on va dire, enragé. Est-ce que c'est le bon terme? Et du coup, bah... il y a des infectés. Et donc si vous vous faites mordre, bah malheureusement, vous allez rejoindre leur rang. So, look, I don't know what's going on with you and Joel. Maria, guy really cares about you. And I'm sure he didn't mean to. We're fine. Yeah? Yeah. Okay. Okay. Sorry to pry. Be safe. Thanks. Yo, Dina, assignments. Just give me a minute. We get your girlfriend to the stables, please. Hey, Dina. Can I talk to you? Hey, guys, I'm tapping out. Come on. For how long?
Hey. I just want to say sorry for running off last night. Oh, it's okay. I totally get it. I felt bad. Why? Because I started the whole thing, and I shouldn't have kissed you in front of all of those people. And no, you were drunk, it's fine. Well, still, I don't want you to think... No, I'm not reading into it or anything. You know what I love about you? How you let me finish my sentences. All right. Well, we should probably get going. Yeah. Ow! What the fuck? I'm not even playing! Because you're a chicken? You're a chicken! I hate this kid so much. You want to fuck him up? Yeah, I do. Allez! Better run, you little shit! Bataille de boules de neige! Vous allez voir ça! Salaud! Je sais plus comment on récupère. Ah, faut aller à certains endroits, faire triangle, ok. Vas-y, où est-ce qu'ils sont? Ils se planquent. Merde, comment on court? Oh la saleté! Ah oui, il faut qu'on ait 10 points. Tiens! On va en focus un, on va le focus lui. Tiens! Oh merde, il y en a un autre! Ou une autre, je sais pas. Tiens! Tiens! Oh la saleté! Je sais pas c'est lequel qui m'a tiré dessus. L'autre elle se fait enchaîner la pauvre. Aïe! Tiens! Tiens! À bout portant! Eat it, shrimps! Allez! Bye vous les gosses! Ah, ils ont disparu? Mais ils sont où? Alors ça c'est fort, ils ont disparu d'un coup d'un seul. Est-il pas beau ce petit bonhomme de neige? Allez, on va rejoindre Dina. J'arrive, Dina, j'arrive. So, Jesse wants us to do the creek trails. He's gonna relieve Joel and Tommy. Oh, that's nice he assigned us together. You're gonna like this. Morning, girls. Morning. Salut, garçon. Hey, ladies. I'll bring him in. Thank you. Pas être évident de tenir sur trois pattes quand même. Hein. Bonjour? Non, rien. Bon, tant pis. C'est pas grave. J. That's a good girl. Look who's here. Thanks. Come on. On va repartir en petite balade. Oh, look who decided to join us. Yeah. One for you. And one for you. Open it up. Settle down, children. All right. You all know the drill. Run your routes, mark your logbooks, clear any infected you see. You run into anything you can't handle, you come back. Be smart about it. All right, get going. Allez! Let's go! Regardez-moi ce petit.
ce petit paysage, si c'est pas sympa. Et là, changement un peu d'ambiance, mais pas que. Dreaming about? Was I talking? You're doing your teeth grinding thing. Where have you been? Grab your gear. I want to show you something. What? Trust me. Et donc là, notre deuxième protagoniste. Et moi, je me souviens, à l'époque, je me suis dit, mais je me disais, mais pourquoi? Qui sait? On va pas encore tout dire sur ce personnage. Pour ceux qui n'auraient pas fait le jeu. Garde la surprise. Mais oui, on va bel et bien contrôler deux personnages durant le jeu. Notre ami Ellie, bien sûr. Enfin, trois si on compte également Joël. Et ce troisième personnage. Qu'on va suivre du coup tout au long du jeu et on va en apprendre de plus en plus sur elle et très rapidement. Bon, encore une fois, pour les dialogues. What? No. You wish. I've had my fill. J'essaie de me taire un maximum, hein, que vous puissiez suivre en même temps. We can't all be as graceful as you. Clearly. What is that? You'll be fine. It's too high. Elle a pas le vertige. Eyes on me. Abby. Stop looking down. Ah, on a son prénom. Owen. Do we have to go back this Abby way? Abby Owen. Consider it an opportunity to work on. Souvenez plus du sien. How about I work my foot up your ass? Abby. Stop flirting. Bien évidemment que Abby. Comment l'oublier? Et c'est en partie pour ça que j'ai pas envie de comparer le 1 et le 2.
parce que ça fait partie d'un tout. Dire que j'ai préféré le 1, ça serait de la pure nostalgie, je pense. Saw an armed patrol go from town to an outpost over there. A few more outposts in between. They have electricity, guns. It's a lot of people. We can figure it out. Okay. Assuming he's in there, how do we get to him? We can corner one of the patrols and get confirmation, and then, I don't know, maybe find a way to lure him out. Yeah, okay. I'm sure they'll be happy to offer that information up. Well, then we make them. You hear yourself? Okay, what do you want to do? What is going on with you? Mel's pregnant. Oh. Okay. It's not just that, though. Should I say congrats? Everyone else sees this. They're gonna want to turn back. We can convince them, right? I fucking knew I couldn't count on you. And me. I want what you want. But not at any cost. Hey. Don't! See you back at the lodge. Elle a décidé d'y aller. Je me souviens un petit peu de ce qui va se passer. Mais ouais, Abby, un personnage qui laisse des traces, qui ne laisse pas indifférent. Putain, par contre, faut aller où? Au-dessus? Merde. Ouais, c'est un personnage qui laisse pas indifférent. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Et c'est plus précisément... Ah merde, fallait pas sauter là? Ah si, il faut clairement aller là. Peut-être pas sauter assez loin. Ouais. Mais ouais, encore une fois... Oula! On s'est pas enfoncé de beaucoup là? Ouais, je sais pas, faudra que je regarde. J'avais l'impression que. Ah, on se met à terre, ok. Je me souvenais plus de cette feature qu'on pouvait ramper. Je crois que sur le premier on peut pas. Il semble qu'on peut pas ramper. Attention toi. Hein. Qu'est-ce que t'as dans la main? T'as rien du tout. Quoi, t'en as beaucoup là hein. Donnez-moi ça tous ces cadavres. Excuse-moi l'ami. Ce
n'ai rien contre toi, bien sûr. Mais j'ai besoin d'avancer. Ah putain, oui, il y a ça. Système d'esquive et de... et de coups. J'ai un peu... qu'est-ce... Je me souviens que c'était compliqué d'esquiver. C'était pas évident. Par contre, le tir... pourquoi c'est... je me souvenais plus que c'était comme ça, le tir. Attendez. Non, pourquoi mode photo? Je vais pas faire mode photo. Option, commande. Afficher les commandes, enregistrer le choix des pawns, mode écoute. Aider, aider à la visée. Verrouillage de la visée. On va faire non. Comme ça, normalement, ce sera vraiment nous qui dirigeons le tir. Je sais plus s'il n'y a pas un moment où il faut courir. Il y en a un autre qui arrive là, non? Oula! J'ai voulu esquiver un peu de trop. Bon, il nous emmerde là, Lex Luthor là. Casse-toi! Terminada. Bon. Putain, on s'est fait démonter par contre. Allez. Ah, équiper un kit médical. Volontiers. Des armes. Enfin, des munitions, pardon. On n'a pas une lampe... ah. Fameuse lampe torche. Ouais, non, tout va bien se passer. Ça avait pas l'air d'être vraiment dans la tête. Mais bon, c'est un one shot quand même. Allez, enlève-toi. Pas les petits trucs à récupérer par-ci par-là. Là, un soin. On ne dit pas non. Un lecteur DVD, mais on ne voit pas ce que c'est. Une balle. Un petit canard. Ah, c'est une note, oui. Qu'est-ce que ça nous dit de beau? Lire. À quiconque lira cette lettre, je m'appelle Seth. Seth, je suis de San Francisco et j'essaie de rejoindre Jackson avec mes deux fils. Nous avons perdu notre voiture, notre boussole, nos armes. Nous avons été attaqués à la sortie de Reno. Ma femme et mon aîné ont été tués. J'ai essayé de suivre les cartes, mais la neige nous empêche de rester sur la route. J'espérais pouvoir attendre la fin de la tempête, mais mes enfants meurent de faim. Je n'ai pas vu le moindre écureuil depuis une semaine. Je ne peux pas rester là à les regarder dépérir. Nous allons tenter une sortie ouest-nord-ouest. J'ai entendu des coups de feu de l'autre côté de la crête. J'espère qu'on tombera sur quelqu'un de bien. Je vous en prie, si vous lisez ceci, venez nous chercher. Je crois qu'on est mercredi. Dieu vous bénisse. Comment encore se faire attaquer? Petite physique avec la neige. Okay. It's gotta be close.
par là qu'il faut rentrer. Je crois qu'il y a un petit passage en dessous. Ah, là. Non ? Ah. C'était bien par là. Ok. Donc ouais, il y a le petit... la petite écoute furtive. Pour voir où se situent les ennemis. Normalement, si on arrive à arriver dans le dos de notre ennemi, on peut saisir et avec carré mettre fin à son existence. Voilà qui est fait. Petite balle supplémentaire. On ne dit pas non, toujours pas. Petite chose à récupérer ici ? Non. Plusieurs ou pas? Oh merde! Putain, je croyais qu'il bougeait pas. Je crois qu'il y en a un de l'autre côté dans la pièce. Il y en a un là-bas, je crois. Ouais. C'est pas dit que celui-là on pourra le prendre à revers. Après qu'on arrive à passer par dehors, mais. Est-ce qu'on peut y aller par dehors? Ah, je suis pas certain, hein. Le problème, c'est qu'on va... Ah! Non, je crois qu'on pouvait passer par là. Il a bougé ou pas, notre ami, non? Parce qu'après, moi, je lui tirais bien une balle en pleine tête, parce que là, il bouge pas. Mais est-ce qu'on va pas attirer d'autres vilains? Je pense que c'était la bonne solution à prendre. Encore un petit peu de balles, tant mieux. Putain, mais il y a un moment, je crois qu'il va falloir cavaler. On va se faire courser par... ils vont être 50. J'ai un vague souvenir de ça. J'ai un souvenir aussi que celui-là m'avait chopé. J'avais voulu le prendre à revers. C'était un peu comme là, j'avais un petit peu trop attendu. Ouais, à mon avis, on n'était pas loin. Allez, terminé. Parce que là, ils sont quand même nombreux. Hein. Ils sont quand même nombreux. On va essayer de la jouer furtif, mais... Je ne garantis absolument rien. Parce que moi et la furtivité, c'est pas ouf. Enfin, par contre là on est dans la merde. Non. Là il a fait demi-tour. Lui par contre il a pas fait demi-tour. Vite. On peut aller le buter. Tu peux marcher un tout petit peu plus vite parce que l'autre il va revenir. Sûr et certain. Parvenu. Je sais pas si on était assez rapide. Attendez, parce que j'ai perdu. Ah, j'allais dire j'en ai perdu une. Ok, il y a lui qui est ici. Ok, tu vas passer exactement là où ça m'arrange pas. Parce que je vais me retrouver entre vous deux, moi. Oh l'enfoiré! Oh non! Il a essayé de nous faire une castor junior celui-là. Il a fait je vais à gauche, non je vais à droite. Finalement je vais à gauche. Finalement à droite. Tu vas où? Parce que j'ai pas très bien compris ton déplacement l'ami. Putain tu vas là-bas. Je crois que je vais te laisser tranquille toi.
Parce que là, ouais, non, tu vas te retourner et tu vas venir me gauler. T'as de la chance, on te laisse tranquille. J'ai vraiment le souvenir que, à un moment donné, il se ramène à beaucoup, moi, non? Ou alors c'est peut-être parce que justement je m'étais fait gauler. Avec Ellie. Come on. Elle doit être bien fraîche l'eau quand même là. Right, les pauvres chevaux. Do you miss being with him? With Jesse? No. We've been together for so long. Look, Jesse's great. I love his parents. They will always be family, but we were just on autopilot. Hey, how come we never talked about this stuff? I don't know. It didn't feel... You never really talked to me about Kat. Yeah, because there isn't much to talk about. Yow. I just... I got the impression that you didn't really like her. I don't care about her one way or the other. Okay. No, I think she's a talented artist. I've grown to like that tattoo of yours. Well, that's so big of you. And I think she wasn't right for you. Interesting. Shut up. Okay. Ouais, je me souviens d'ici. You can tie Shimmer up here. Je crois que c'est leur poste d'observation, si je ne dis pas de bêtises. You want to see something spectacular? You're gonna point at your face, aren't you? Nothing is that spectacular. Oh, brother. Come on, stupid. Qu'as-tu à me montrer? On va explorer un petit peu. Voir si on n'a pas des petits trucs à récupérer par-ci par-là. Ah, des petites balles, mais on l'a. Ah, oui, non, mais c'est l'arme qu'on a déjà de base. Récupérer une munition. Ça peut nous sauver la vie, hein, très clairement. Très joli. What do you think of this view, huh? This route has its perks. Where do we sign in? Come on. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première partie. On va faire des petits lives d'une heure. Voilà, ça fera des petites redives d'une heure. Ça sera très cool. Puis on termine sur cette belle vue enneigée. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis conquis. Eh bien, écoutez, merci à ceux qui sont passés sur ce live. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très très vite pour la suite. En attendant, passez une très bonne journée. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde !